Bonjour à tous, il est 12h30, même 32 d'après l'ordinateur, et nous allons donc démarrer ce webinaire à des thèmes Rhône-Alpes sur les fondamentaux de l'account-based marketing, comme dit l'angliciste. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui en tant que coprésidente du club Rhône-Alpes, donc Alice Blondel, que j'anime avec Muriel Génin. Puisqu'on est toujours plus efficace et plus intelligent à deux. Et nous avons la chance et le plaisir d'organiser chaque mois des événements au bénéfice des marketeurs de Rhône-Alpes et de Navarre et de la France entière, puisque maintenant les webinaires nous permettent de vous toucher partout où vous êtes et même si vous n'êtes pas basé sur Lyon. Aujourd'hui, grâce à l'équipe Winbound, nous allons donc parler de l'account-based marketing et de ses particularités, comment ça fonctionne, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on doit faire pour le faire bien et efficacement et pour quel genre de résultats, ou à l'inverse, qu'est-ce qu'il faut éviter pour réussir à mettre en place des process efficaces. Donc, vont parler pour vous et avec nous deux personnes que je vous présente à l'instant. Gaëtan de Moncuy, qui est responsable de la business unit ABM au sein de Winbound. Bonjour et Pierre, à tous. Et qui va nous parler donc de tout ce sujet en détail. Et Pierre-Anthony Triolet, qui est directeur conseil, lui, sur la région de Lyon. Bonjour. Donc, messieurs, je vais vous laisser la parole dans quelques instants. Juste pour préciser par rapport au fonctionnement de cette conférence, nous sommes ensemble donc jusqu'à 13h45. Vous allez parler pendant 35 à 40 minutes à partir de 13h15 et j'aurai le timing à la main. Nous passerons aux questions-réponses. Donc d'abord les principes et puis après un bel exemple, je crois, justement pour nous mettre vraiment en situation de comment ça marche, à quoi ça sert quand on fait l'account-based marketing. Et donc pour ceux qui sont avec nous à l'instant en direct, quand vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le menu questions et non pas dans le chat. Donc en bas à droite de votre écran, vous avez des icônes. Le petit phylactère, c'est pour le chat. Évidemment, le point d'interrogation, c'est pour les questions. Et donc, c'est dans ce menu-là que je vous invite à poser vos questions pendant la présentation, évidemment après, pour qu'on puisse les partager avec nos intervenants. À la fin de cette intervention, nous vous transmettrons, grâce à Malik / Corentin, un lien vers un questionnaire de satisfaction et qui nous est très utile pour savoir si l'événement vous a plu, si le contenu, le fond, la forme vous a plu. Et donc, n'hésitez pas à cliquer sur ce lien pour nous dire ce que vous en avez pensé. Donc, on le mettra en ligne à peu près 5 minutes avant la fin. Voilà, merci à tous. Et maintenant, Pierre-Anthony, Gaëtan, je vous laisse la parole. Merci Alice et bonjour à toutes et à tous. Donc, comme je disais bien Alice, on est réunis aujourd'hui pour parler d'account-based marketing. La présentation va se dérouler, comme vous le voyez à l'écran, donc avec une brève présentation de qui est Winbound et de qui est MV Group. On enchaînera ensuite avec Gaëtan qui va nous aider à comprendre ce que c'est la BM, quels sont les enjeux, la finalité de cette stratégie en B2B. Comment on se lance dans la stratégie en vous donnant plus de détails sur la méthodologie qu'on a développé chez Winbound. On finira avec un cas client, un exemple qu'on a mené sur des campagnes one-to-one. Et on finira par la réponse à vos questions. Sur
Pour faire sur Winband très rapidement, donc Winband est une filiale de MV Group. MV Group est un des groupes leaders de marketing digital en France, qui est réuni autour de différentes filiales. Et Winband est la filiale spécialisée en stratégie digitale, marketing et commercial sur la partie B2B. Donc on accompagne, on développe les ventes des entreprises grâce à différentes stratégies que sont l'inbound marketing, l'account basé marketing, le social selling ou encore le growth marketing. On est organisé autour de différentes BU. On a une BU sur la création de contenu avec des rédacteurs experts pour faire connaître vos expertises et personnaliser les contenus de nos clients. On est en mesure de rédiger tout type de contenu. On a également une BU dédiée au marketing automation et à la mise en place de CRM. L'intégration CRM dans un univers simple, dans des écosystèmes simples ou complexes en fonction de l'environnement technologique que vous avez en interne, s'il est nécessaire de connecter des ERP ou d'autres solutions propres à votre secteur d'activité. Et enfin, une BU dédiée à la formation des commerciaux. On est également un organisme qui est certifié Calliope. On a pour l'habitude de dire qu'on va du contact à la vente. Donc, quand on met en place des stratégies, qu'on acquiert des leads pour nos clients, on les aide également à transformer ces leads-là en formant les commerciaux aux nouvelles méthodes qui sont arrivées ces dernières années. Pour faire très rapidement, comme je vous le disais, Winband fait partie de MV Group qui est organisé autour de différentes filiales pour répondre à l'ensemble des problématiques du digital et du offline, que ce soit sur des leviers d'acquisition, de fidélisation, de notoriété, de construction de marque, d'analyse ou de transformation digitale. Et du coup, Gaëtan, je vais te laisser la main pour parler de la partie ABM. Merci Pierre-Anthony et bonjour à tous. Et donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet avec aujourd'hui l'ABM, donc l'account based marketing. Et je vais commencer cette première partie, donc la deuxième partie de la présentation globale, pour mieux comprendre l'ABM. Et tout d'abord, peut-être revenir aussi aux origines de l'ABM, comment a émergé ce nouveau concept. Ben, en fait, il est arrivé assez naturellement suite à une évolution des comportements du marché et notamment sur du B2B, parce que comme vous allez le voir dans toute cette présentation, l'ABM est vraiment focalisé sur une approche B2B. Et cette approche B2B, avec le temps, est devenue de plus en plus complexe. Il est devenu de plus en plus complexe, on va dire, sur ces dernières années. Quelques exemples en fait de la complexité du marché avec en effet une concurrence de plus en plus forte. On est soumis en tant qu'acteur à avoir de plus en plus de concurrence sur nos marchés, des prospects sur sollicités. En effet, vous allez voir qu'en ABM, on cible plutôt des grands comptes, plutôt des ETI, des grands comptes avec des interlocuteurs souvent managers, directeurs, VP qui sont sollicités de toutes parts avec des emails, des LinkedIn, enfin sur tous les canaux. Donc une forte sollicitation et des cycles de vente de plus en plus longs. Des cycles de vente de plus en plus longs, notamment quand vous avez, vous allez voir en ABM, là c'est pareil, vous allez proposer plutôt, en général c'est sur des paniers moyens assez élevés, donc les cycles de vente sont longs et il y a de plus en plus de décideurs. Et on a de plus en plus à faire même souvent à devoir convaincre jusqu'à un COMEX. Donc c'est vrai que tous ces facteurs-là fait qu'on arrive à une complexité et que les approches marketing traditionnelles ne fonctionnent pas. Donc c'est vrai qu'il y a, 30-40 ans, il n'y avait même pas de marketing, il n'y avait que les commerciaux, le marketing est arrivé, il a évolué et là c'est vrai qu'on arrive à un nouveau stade où le marketing traditionnel ne fonctionne pas ou plus, en tout cas, en l'occurrence, plus précisément avec des comptes stratégiques, c'est pour ça qu'est arrivé assez naturellement une approche donc, qu'on appelle l'account-based marketing, qui est finalement une approche avancée du marketing pour arriver jusqu'à la personnalisation. Donc, il n'y a pas que la personnalisation, mais c'est vrai qu'un peu l'ADN de l'ABM, c'est convaincre et se différencier grâce à une étude et un ciblage et une approche personnalisée de vos cibles. D'accord ? Et pour la petite histoire, c'est vrai que c'est en 2002 Accenture qui a commencé cette approche qu'il appelait le Customer-Centric Marketing. Et en 2003, c'est un cabinet de conseil américain qui a lancé cet acronyme d'ABM et la notion d'account-based marketing. Donc voilà pour poser un petit peu le contexte, le cadre de l'origine de l'ABM.
Alors là, on va rentrer plus dans le cœur de la définition. Tout d'abord, une définition assez simple, et après, je vais la détailler un peu plus, parce que chaque étape de cette définition est importante. Donc, c'est une approche marketing uniquement B2B, qui vise à concentrer les efforts marketing et commerciaux, et uniquement sur des comptes prospects ou clients, ça peut être des clients également, en upsell ou cross-sell, mais qui ont un fort potentiel pour vous. D'accord ? Donc ça, c'est une définition assez simple. Je vais la reprendre un petit peu plus détaillé et m'arrêter à chaque étape. Donc, première étape, donc on se concentre les efforts marketing et commerciaux. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à parler d'alignement sales et marketing. C'est vrai qu'à l'origine, les stratégies marketing, en général, elles étaient très focus, c'est le marketing qui opère de A à Z. Et là, en ABM, ce que l'on fait et ce qu'il faut faire, c'est vraiment de A à Z, du début jusqu'à la fin d'une stratégie d'ABM, c'est d'intégrer dans la réflexion, dans la construction, et on va même parler de co-construction, le marketing et les sales. D'accord ? On est plus fort à deux, chacun a ses points forts, en côté commercial et côté marketing, et c'est vraiment additionner ces forces-là. Et ça permet d'ailleurs également, au-delà, de les faire travailler ensemble. Souvent, on a pu le voir avec nos clients dans des grands comptes, aussi parfois de casser des silos où des sales marketing se parlaient peu ou pas beaucoup et de les rapprocher autour d'une stratégie ABM. D'accord ? Donc, ce point-là est vraiment important. Le deuxième là qui est précisé, sur un ensemble défini de comptes stratégiques cibles, là aussi très important, c'est le point de départ de la stratégie, après avoir réuni autour de la table les sales et le marketing, c'est on s'arrête et ensemble, quels sont nos comptes stratégiques cibles. Ce point de départ est très important parce qu'on peut avoir des cas de figure où on commence une stratégie ABM avec oui, on va aller cibler tel ou tel compte, mais non, il faut pas être, faut être sûr. Il faut être sûr de ses comptes et là, ça se travaille. On va voir après, il y a des méthodologies qui existent, mais en tout cas, ce point de départ est important. Et nous, quand on conseille des sociétés nous disent, bah voilà notre liste de comptes, voilà ce qu'on veut faire en ABM, on challenge toujours. Parce que si on se trompe dès le départ des comptes cibles, on a beau faire la meilleure des stratégies ABM après, bah on risque forcément de tout rater. Donc ce point de départ est de bien identifier les comptes à fort potentiel est vraiment très important. Une fois qu'on a ciblé ces comptes-là, on va arriver dans l'analyse de ces cibles, donc c'est les enjeux du marché, la connaissance des comptes, et identifier les bons contacts au sein de ces comptes cibles que l'on a identifiés. Et après, on va pouvoir imaginer concevoir des contenus ultra personnalisés. Donc, superlatif est peut-être un peu fort, mais en tout cas, on tire vraiment sur la personnalisation pour aller proposer des contenus à valeur auprès de mes cibles. D'accord ? Et pour cela, pour proposer ces contenus-là, on va définir des scénarios qui sont séquencés pour aller m'adresser, enfin nous adresser et prendre contact vis-à-vis de nos cibles. Dans nos objectifs, souvent, alors il peut y en avoir différents objectifs, et souvent l'objectif qu'on retrouve, c'est décrocher un rendez-vous auprès de comptes complexes ou à fort potentiel. Après, il y a d'autres possibilités. On travaille parfois sur aussi influencer un appel d'offres, ça peut être un objectif. Mais c'est vrai que souvent, l'objectif premium est d'obtenir des rendez-vous. Donc, voilà pour une définition un peu plus avancée de la account-based marketing. Alors, si on rentre dans le détail, l'ABM, on peut le découper en trois stratégies différentes. Donc là, c'est pareil, on le partage et on le réfléchit en amont. Trois possibilités. Donc, vous voyez, il y a un gros triangle qui est l'ABM, qui est découpé en trois triangles. Tout en haut, le premier triangle est le plus petit. Et il est plus petit, pourquoi ? Parce qu'on va consacrer du temps, mais sur peu de contacts. Ce qu'on appelle la stratégie de one-to-one. Pour vous donner un ordre d'idée, dans ces cas-là, on va cibler de un compte, on peut cibler qu'un seul compte, ce qui est très, très stratégique, très pointu, jusqu'à une dizaine, pas plus. Et là, on va vraiment mettre des moyens pour, si vous voulez, m'adresser, connaître, maîtriser ma cible du marché jusqu'au compte, jusqu'à la fonction et jusqu'à l'individu. Donc là, on est vraiment jusqu'à un niveau poussé très avancé de la personnalisation pour pouvoir proposer même du contenu et une approche jusqu'à un individu. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment l'approche la plus avancée. Entre le one-to-one et la deuxième étape qui est le one-to-few, en gros, on peut passer le même nombre de temps sur une campagne, sauf que sur le one-to-few, vous allez être moins dans la personnalisation, mais vous allez cibler plus de comptes. Et la personnalisation donc, est moindre et
vous n'allez pas jusqu'à l'individu, mais vous allez jusqu'à identifier des comptes et des fonctions ayant des problématiques et des besoins similaires. Par exemple, je vais cibler les DSI dans le secteur d'activité du tourisme. Donc là, potentiellement, je vais avoir un certain nombre de comptes. Donc sur du one to few, ça peut aller de plus de 10 à une cinquantaine. Après, c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Et dans lequel je vais m'adresser spécifiquement aux DSI du secteur tourisme. Vous voyez, là, je ne suis pas jusqu'à l'individu. Je vais quand même jusqu'à une connaissance fine de la fonction et de la verticale. D'accord ? Et enfin, troisième niveau, c'est le one to many, où là, on est encore un peu moins personnalisé, mais là, je vais cibler plus largement et peut-être que je vais cibler une seule verticale, par exemple, que le secteur tourisme, avec peu importe les fonctions, entre guillemets, où j'encadrille 4-5 fonctions différentes, mais je ne vais pas jusqu'à m'adresser spécifiquement à une fonction au sein de la verticale, où je peux cibler, par exemple, que les DSI, mais peu importe la verticale. Donc là, l'idée, c'est de s'adresser à plusieurs centaines de comptes, mais là, toujours dans une démarche où je vais aller chercher des comptes quand même que j'ai identifiés. D'accord ? Et dans cette démarche-là, qui finalement va être un peu moins manuelle, vous l'imaginez, que sur du one-to-one notamment, on va être plus sur une approche d'automatisation et s'appuyer sur des outils. Parce que vous imaginez bien que s'adresser à des centaines de comptes, il faut s'aider d'outils pour être armé pour avoir cette approche-là. Donc voilà les trois grandes familles, les trois grandes stratégies qu'on peut trouver en ABM. Et c'est vrai que, alors, aux États-Unis, ils font beaucoup de one-to-many. Ils sont très outils. En France, et nous, on est un peu le précurseur chez Winbound sur l'ABM. Mais c'est vrai qu'on a focalisé, on fait du one-to-many, mais on est plus focalisé one-to-one, one-to-few. Ce qui est aussi un peu plus dans l'ADN de l'ABM. Comme je vous disais tout à l'heure, l'ABM, c'est sur la personnalisation. Donc, c'est vrai que plus on s'en éloigne, plus on est sur du one-to-many, qui peut être une bonne approche. Mais on perd un peu ce côté personnalisation. Mais rien n'empêche aussi d'avoir une stratégie qui combine du one-to-one et du one-to-many ou du one-to-one, one-to-few, par exemple. Les bénéfices qu'apporte l'ABM, donc une petite liste. Alors, le premier, ça permet déjà de vous focaliser et vraiment identifier des comptes et de pouvoir les connaître. Et en ABM, on est vraiment, il y a le mot exhaustivité, c'est on va se renseigner sur un compte, mais on va jusqu'au bout. Tout ce qui peut paraître sur des études, sur le web, sur des données, on va essayer de se renseigner pour connaître au maximum sa cible. On va également, bien sûr, identifier et mieux connaître les contacts décisionnaires. Une fois qu'on a identifié les comptes, c'est trouver et bien identifier mes contacts clés. C'est détecter aussi le bon moment pour interagir. Ce n'est pas lancer une campagne parce que mon timing dit que c'est le bon. Non, il faut vraiment s'adapter, faire preuve d'empathie, se mettre à la place du compte et essayer de détecter les signaux d'affaires pour essayer de se dire c'est le bon moment pour aller lancer ma stratégie d'ABM. Autre bénéfice, prioriser ses actions sur les contacts les plus engagés. Donc forcément, on a identifié les bons contacts. Et on va mettre un maximum en fait d'efforts sur les bons contacts et pas se perdre à essayer de cibler des personnes pour lesquelles on n'est pas sûr. C'est appuyer ses actions de prospection avec des scénarios personnalisés. Il y a une étude que j'ai vue il n'y a pas très longtemps qui évoque que c'est à peu près 45% des commerciaux s'arrêtent après l'envoi d'un seul email et abandonnent ici. L'ABM, c'est vraiment l'opposé de ça. On est vraiment sur une forte connaissance en amont. Et surtout, c'est séquencer et scénariser son approche, pas abandonner au bout d'une ou deux approches. Et enfin, on parle souvent en ABM aussi de vélocité. Donc la vélocité permet en fait, dans un temps moindre, donc de réduire le cycle de vente parce qu'on arrive avec une forte connaissance. Donc on va être plus efficace, ça va nous prendre moins de temps d'être convaincant, donc de gagner du temps et on arrive avec de forts moyens parce qu'on a construit toute une stratégie, notamment de contenu. Donc on apporte de la force et on gagne du temps. C'est pour ça qu'on parle de vélocité. Donc voilà pour citer six exemples de bénéfices sur l'ABM. Après, je cite quelques chiffres aussi issus d'études pour vous montrer les avantages. 50% de temps gagné par les équipes commerciales en prospection. C'est vrai, le fait de dire aux commerciaux, on a identifié les bons comptes, les commerciaux ne vont pas passer du temps à chercher des nouveaux comptes, on va faire ce travail ensemble en amont, souvent donc avec un reste commercial et un reste marketing, on va faire tout ce travail en amont de bien identifier les comptes.
Donc, les commerciaux ne vont pas se perdre à aller chercher des comptes soit rêvés, soit des comptes où ils ne sont pas sûrs. Là, au moins, on est sûr. Donc, il y a du temps de gagner sur cette partie-là. L'amélioration forcément aussi du taux de closing, 86%, c'est pour donner un ordre de grandeur. Bah, on améliore le taux de closing parce que on a mis les moyens sur des comptes avec du potentiel. On a identifié les bons comptes et on met du contenu et on met des messages personnalisés. Forcément, on augmente notre taux de conversion. Et enfin, amélioration de la valeur du cycle de vie du client. Bah, c'est pareil, on a identifié les bons comptes. On leur a proposé du contenu à valeur. Donc, logiquement, s'ils signent aussi, c'est pas pour du one shot. C'est pour essayer aussi d'aller travailler la fidélisation sur ces comptes-là. Et donc, on sait qu'un compte fidélisé est beaucoup plus rentable qu'aller chercher de nouveaux comptes. Alors, des petites coches. Alors, ce n'est pas exhaustif là, mais c'est pour ceux qui se posent la question, est-ce que je suis prêt ou j'ai le contexte pour me lancer dans l'ABM? Donc là, il y a quatre notions. L'ABM est faite pour vous si vous avez un cycle de vente qui va comporter une phase de recherche et d'évaluation en raison du coût ou du niveau d'engagement exigé de l'acheteur. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez des paniers moyens élevés. Le deuxième, c'est la décision finale de l'acte d'achat qui implique souvent de multiples parties prenantes. Donc en fait, c'est là justement où vous allez devoir influencer des personnes différentes. Donc il va falloir mettre des moyens pour essayer avec des messages différents de les convaincre avec chacun. Par exemple, si vous prenez un DAF, un DSI, un directeur marketing, ils ne vont pas avoir les mêmes objectifs, donc il faut leur parler différemment. Si c'est toutes ces personnes-là ont leur mot à dire dans la décision finale, il faut le prendre en compte. Troisième point, les objectifs de votre organisation comprennent le développement commercial dans un nouveau segment, territoire vertical ou poursuite des clients de vos concurrents. Là, c'est plus si un nouvel objectif donné par la direction générale ou direction commerciale pour aller se lancer sur un nouveau marché, là aussi, c'est un facteur qui peut légitimer le lancement d'une stratégie ABM. Et enfin, si vous avez plutôt déployé une stratégie d'inbound marketing performante et vous souhaitez passer une étape supérieure ou complémentaire et apporter plus de personnalisation, il y a toute légitimité à vous lancer également dans l'ABM. Et ça fait lien avec la slide suivante où je trouve que c'était intéressant de faire un peu un parallèle entre une stratégie d'inbound marketing et de l'ABM. Vous voyez que dans les deux cas, vous avez un funnel inversé, le triangle inversé, avec d'un côté l'inbound marketing et de l'autre l'ABM. Pour vous donner un petit peu une image avant de rentrer dans le détail, souvent, l'inbound marketing, si je prends une comparaison, c'est plutôt la pêche au filet. On va lancer un filet et voilà, on va aller chercher les poissons, qu'importe les typologies de poissons. Alors qu'en ABM, on a identifié le poisson que je veux avoir, je ne sais pas n'importe quoi, le piranha, et je vais y aller au harpon. Donc, on va vraiment identifier et chercher ma cible. Vous voyez, c'est deux stratégies bien différentes au point de départ. En stratégie d'inbound marketing, le point de départ, donc, c'est vraiment faire parler de soi, travailler la notoriété et essayer de faire venir à soi des contacts, des comptes, des leads, et donc d'attirer les visiteurs, mais de manière naturelle. D'accord ? Contrairement à l'ABM au point de départ, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment identifier ses comptes. Donc là, on identifie les comptes, alors qu'en inbound marketing, on va les laisser venir. On ne sait pas quel compte forcément va venir. D'accord ? En étape 2, sur l'inbound marketing, on commence à avoir des leads. L'idée, c'est de ce qu'on appelle faire du nurturing. Donc, c'est alimenter par du contenu et faire monter en connaissance, en maturité sur un sujet pour qu'il devienne d'un prospect, d'un lead froid jusqu'à un lead chaud. Et là, toujours pareil, d'une manière naturelle. Dans cette étape en parallèle sur la account-based marketing, on va se concentrer sur créer, personnaliser du contenu pour mes cibles, pour mes entreprises que j'ai identifiées au préalable. Dernière étape du monde marketing, le funnel, on arrive à la fin du funnel et là, il me reste quelques leads, des leads chauds, et on arrive là vraiment sur plutôt la partie conversion ou fidélisation. Quand on a BM, on a aligné aussi notre partie marketing vente et on arrive là, point commun, sur convertir et essayer de fidéliser ces comptes que l'on a pu intégrer dans notre stratégie d'ABM et qu'on a pu convertir. Et ce qui est intéressant de voir pour terminer sur cette partie-là, c'est que
on peut utiliser conjointement ces deux stratégies d'Inbound et d'ABM. Soit en parallèle, comme là vous voyez dans le graphique, c'est-à-dire que sur vos paniers moyens, avec une plus grande quantité de comptes, vous faites une stratégie d'Inbound marketing pour les faire venir de manière naturelle. Et sur vos hauts portefeuilles, vous allez consacrer une stratégie spécifique d'account-based marketing, donc sur moins de comptes, mais là, vous allez mettre une stratégie de personnalisation. Vous voyez que par rapport aussi à vos offres de produits ou services, vous pouvez en parallèle mener une stratégie d'inbound ou d'ABM. Donc, ça peut être vu en parallèle, mais ça peut être vu aussi de manière chronologique, en mettant d'abord une stratégie d'inbound qui va vous permettre d'identifier au final aussi des comptes à fort potentiel. Et vous vous dites, bah là, il y a un enjeu fort sur ces comptes-là que j'identifie grâce à l'inbound, et je vais les traiter, eux, en account-based marketing avec une stratégie plus personnalisée. Merci Gaëtan. Donc ça, c'était la première partie de ta présentation. On va essayer d'aller un petit peu plus vite, je pense, sur les deux autres pour aller traiter également l'exemple avant que la montre nous rattrape. D'accord, pas de problème. Alors la partie plan d'action ABM sur le kick-off d'un lancement. Donc là, c'est de manière chronologique. Donc là, on va reprendre les étapes. Donc c'est tout d'abord identifier les comptes. Je vais redétailler après, hein. Mais c'est bien de faire la répétition parce qu'il y a pas mal d'étapes dans l'ABM. Identifier les comptes, définir ses cibles contacts, étudier vos cibles, définir les prises de parole, les axes de communication auprès de mes comptes. Puis après, définir, concevoir des scénarios de prise de contact. Et ensuite, c'est l'opérationnel, lancer les scénarios. Donc le premier point, définir ses comptes cibles. Quand on part de zéro, entre guillemets, on a tous, chaque entreprise a ce qu'on appelle, alors c'est encore un acronyme, c'est les Américains, ils aiment bien en mettre un peu partout. C'est la TAM, c'est Total Available Market. En fait, c'est le nombre de clients potentiels que vous pouvez avoir. Des bons clients, des clients qui seront un petit peu plus compliqués. Enfin, c'est tous ceux en fait, qui sont susceptibles d'acheter vos produits ou vos services. Et parmi cette TAM-là, on va essayer de se recentrer sur ce qu'on appelle l'ICP. Et l'ICP, c'est Ideal Customer Profile. En fait, ça va être un compte fictif que l'on va construire. Donc pour ça, on a une méthodologie. Donc, si vous intéresse après le webinaire ou plus tard, on pourra vous expliquer plus en détail comment fonctionne la méthodologie. Mais l'idée, c'est de construire un compte fictif avec des caractéristiques importantes pour vous et de voir et de pondérer à partir de votre top client notamment, quels sont les critères les plus importants. Par exemple, sur une zone géographique, un secteur d'activité, des technologies spécifiques. Et votre ICP va avoir ces caractéristiques spécifique, et donc c'est un compte fictif, et après vous allez faire matcher des entreprises réelles. Donc tout ça va vous donner un potentiel de compte ayant étant des potentiellement des clients à forte valeur pour vous. Mais c'est pareil, l'ICP peut rester un peu large, vous n'avez peut-être pas la bande passante pour pouvoir vous occuper de tout l'ICP. Donc à la fin, il faut se décider et définir et prioriser votre target account list, et ça va être la liste finale sur laquelle vous allez consacrer votre stratégie d'ABM. Une fois que vous avez défini vos comptes, vous avez votre target account list, vous allez vous dire quelles sont les fonctions clés que je cherche à travers ces comptes. Donc là, c'est pareil. Il peut y en avoir 5, 6, 7. Il faut toujours hiérarchiser. Donc, prenez votre top 3, vous définissez vos fonctions clés, disons que c'est directeur marketing, DAF, DC. Les plus importants, ça aussi, ça se co-construit, ça se réfléchit entre marketing, sales et une agence comme nous si besoin. Et après, à partir de là, vous allez pouvoir construire des personas. Donc, si peut-être vous en avez déjà, peut-être avez une bonne connaissance, nous chez Winbound, avec les inbound marketeurs, donc c'est un peu le cœur de métier, on va construire à travers une dizaine d'interviews des personas. Donc c'est des personnes fictives et qui représentent une fonction dans un secteur d'activité, ce qui va nous permettre de bien connaître, donc là c'est une chef de produit, bien connaître là par exemple une chef de produit, savoir c'est quoi ses enjeux, comment répondre à ses enjeux, comment mes solutions pour pouvoir répondre à ces enjeux, donc avoir une meilleure connaissance pour bien sûr mieux m'adresser à cette personne-là. Une fois qu'on a identifié les fonctions clés réalisées des personas, en tout cas j'ai une bonne connaissance de mes fonctions clés, j'étudie les comptes cibles. Donc, si j'ai déterminé par exemple 20 comptes ou 10 comptes, je vais essayer de savoir en savoir plus sur le marché. Une fois que j'en sais plus sur le marché, les enjeux du marché, je m'intéresse au compte, quels sont les enjeux stratégiques peut-être du compte, quelles sont leurs actualités. Tout ça, c'est de la connaissance. On essaie de faire de la veille également, faire de l'intent data, ce qu'on appelle. Et après, on va aller identifier ce qu'on appelle le cerf de décision, d'autres l'appellent le mapping de contact.
En clair, c'est identifier les contacts, les personnes qui se cachent derrière les fonctions clés pour vous. Donc, on arrive un peu avec un organigramme que l'on va se confronter, qu'on va regarder ensemble et pour en fait statuer sur, toujours pareil, on en donne un petit peu plus au début et on va arriver, entre guillemets, à un best-of de contacts qui sont les plus clés pour nous à adresser. Et quand on va jusqu'au one-to-one, là, on voit en haut à droite, là, je vois, on a une petite photo de Paul Martin. Admettons que Paul Martin est dans mon cercle de décision. Si je vais jusqu'au one-to-one, je vais aller jusqu'à la connaissance de qui est Paul Martin pour mieux connaître cette personne-là, afin d'avoir une réflexion sur une stratégie de personnalisation adaptée à Paul Martin. Et ça, on a des outils pour essayer d'en savoir plus sur tout ce qui est dit sur Paul Martin, s'il a fait un webinar, qu'est-ce qu'il dit sur LinkedIn, etc., etc., pour trouver les meilleurs moyens de trouver quelles sont ces problématiques et comment les solutions du client peuvent répondre à ces problématiques. D'accord ? Ensuite, on arrive à une étape cruciale qui est là, on résume ce qu'on a eu avant. On connaît le marché, on connaît les comptes, on a identifié les personas, on a connaissance des personas. Je connais même l'individu si je vais jusqu'au one-to-one. En tout cas, j'ai identifié les sortes de décisions et toute cette connaissance va me permettre de travailler mes axes de communication. C'est-à-dire que toute cette connaissance-là me dit, c'est bon, je connais bien parfaitement mes cibles. Maintenant, par rapport à mes solutions, comment je vais pouvoir bien répondre à leurs problématiques? Donc là, on peut faire plusieurs types d'ateliers. Nous, on fait des ateliers d'idéation pour réfléchir à une stratégie éditoriale de contenu selon le parcours d'achat, le niveau de maturité où est mon client cible par rapport à son objectif, si c'est de la notoriété, s'il cherche plus, il est plus en prise de décision. Donc, c'est vraiment travailler cette partie, qu'est-ce qui va être le mieux adapté au contexte de mon client. Et voyez bien que les étapes amont sont super importantes parce qu'elles vont permettre de bien mettre le curseur sur qu'est-ce que je vais proposer. Et on réfléchit également sur le support. Donc, quel type de support par rapport à mon client? Je connais mon client avec tout le travail que j'ai fait. Est-ce qu'il va être plus sensible à un e-book, à une vidéo, à une podcast, etc. Quel canal va être plus adapté? Offline, online, LinkedIn, email. Et toutes les connaissances amont va permettre justement d'avoir des réponses et de trouver les bons moyens d'axe de communication, les bons supports et les bons canaux. Et ce qui nous amène à arriver à nous, ce qu'on appelle chez nous, une bibliothèque de contenu. On va finalement agréger ici l'ensemble de vos supports qui vont vous servir après dans vos prises de contact. Donc, en général, on les range en deux briques, tout ce qui est online. Alors, classiquement, on peut retrouver des articles, des infographies, des webinars, des vidéos, des podcasts, etc. Et toute la partie offline, on peut imaginer des box, des livres, des e-books, etc. Et ce qui est bien dans l'ABM, ce qui est génial, c'est qu'on peut imaginer vraiment tout un tas de supports avec ces ateliers d'idéation. À partir du moment où on voit qu'un besoin et que ça peut matcher vraiment avec nos cibles, voilà. Le champ des possibles, on peut le créer ici dans cette bibliothèque de contenu. Et une fois qu'on a toutes ces bibliothèques de contenu et la connaissance qu'on a en amont, on va arriver, c'est quasiment le stade final, à définir quel est le meilleur scénario possible pour ma cible. Donc là, on a créé un exemple fictif, comme si une entreprise souhaitait faire une stratégie ABM et nous ciblait, nous, Winbound. Il pourrait définir un scénario tel quel. Donc là, il n'y a que trois contacts ciblés. On a pris le CEO de Winbound et les deux responsables du pôle expertise, qui sont moi et Cindy plus bas. Et donc, vous voyez, dans ces scénarios-là, un scénario, c'est un séquençage de prise de parole, d'action. En général, on établit 4-5, dans lequel vous allez vous appuyer sur les canaux qui sont les plus pertinents par rapport à la connaissance que vous avez eue. Vous allez également proposer des contenus qui sont les plus pertinents par rapport à la personne. Là, vous voyez qu'il y a un code couleur, donc, plutôt jaune-orange là, pour le CEO, qui est plutôt aussi un profil sales. Il va avoir un contenu plutôt adapté à son profil et à sa connaissance. Il n'aura pas les mêmes que moi ou Cindy, qui on approche plutôt métier, avec des contenus plutôt adaptés pour nous. Et là, c'est pareil. J'ai mis l'exemple sur moi, Gaëtan, vous n'avez pas d'approche LinkedIn. C'est peut-être parce que je n'utilise pas LinkedIn. C'est pas vrai, j'utilise beaucoup LinkedIn, mais voilà. Tout ça pour vous dire que tout est réfléchi et travaillé. Et ces scénarios-là ne sortent pas comme ça du chapeau. Ils sont vraiment réfléchis pour être vraiment essayer d'être le plus pertinent possible dans mes prises de contact et se donner un maximum de chances de pouvoir convertir et arriver à mon objectif de prise de rendez-vous, si c'est le cas. Okay. Donc, vous voyez qu'il y a un mélange d'offline, d'online et de multiplication des supports. Et en tout cas, bien pensé, séquençage
et essayer d'utiliser différents canaux. Si un canal ne marche pas, il faut essayer un autre. Ensuite, je vais assez rapidement sur cette partie-là. Là, c'est vous lancez les scénarios, on fait du suivi du coaching. Il y a toute l'approche après KPI que je vais balayer assez rapidement après pour passer au cas client plus rapidement. Et bien sûr, ça c'est très important, faire un bilan de campagne. La BM ne s'arrête pas juste à un one-shot. Là, je vous ai montré un scénario. Mais un scénario, c'est, on va dire, c'est une campagne. En général, on fait plusieurs campagnes. En tout cas, faire un bilan de première campagne pour voir quels seront les next steps. Parce que si vous n'avez pas atteint vos objectifs, ou vous avez atteint vos objectifs, vous voulez aller plus loin, ben, il y a pas mal d'explications. C'est peut-être le timing n'était pas le bon. L'axe de communication, ben, il fallait peut-être prendre le deuxième. Donc, il faut se donner d'autres campagnes. En général, la BM se réfléchit en 2-3 temps. C'est pour ça que souvent, on fait des campagnes sur 12 mois. Et donc, sur les KPI, c'est bien sûr, en macro, suivre la progression de mes comptes, le nombre de comptes visés, le nombre de comptes engagés, le nombre d'opportunités créées et le nombre de comptes transformés. Et après, pour vous donner un ordre d'idée, sur nous, on conseille sur des KPI, on mesure souvent l'écosystème. Donc là, c'est assez macro aussi. Combien de comptes identifiés, les enjeux identifiés, combien de personnages j'ai pu réaliser, le contact qualifié. Après, on rentre plus dans les engagements. Bah, quand je suis dans l'opérationnel, si j'ai fait, par exemple, on a une stratégie LinkedIn Ads, et bah là, c'est tous les retours que je peux avoir sur mes campagnes, sur mes emails personnalisés que j'ai pu faire, le nombre de retours, combien de contenus ont été vus, lus, etc. Pareil pour les envois d'offline, on fait un suivi. Et après, ces opportunités, donc combien de rendez-vous j'ai obtenu, taux de pénétration. Et après, on rentre plus là dans tout ce qui est plus acquisition. Mais là, on va dire, nous, on conseille de le faire en interne pour nous, en tant qu'agence, pour les clients. Mais là, après, c'est plus du ressort aussi des compétences et des produits du commerciaux qui vont faire la différence sur le taux de closing. On va dire, l'apport ABM est vraiment plus sur les trois premières étapes, écosystème, engagement, opportunité. Et c'est pour vraiment donner des exemples. Et on invite vraiment à essayer de mettre un maximum de KPI pour suivre les stratégies d'ABM qui vont jusqu'au les scoring clients jusqu'à la fidélisation avec du NPS notamment. Voilà quelques exemples de KPI. Donc en résumé, avant d'attaquer la dernière partie sur les cas clients, en résumé, en ABM, on vise vraiment l'efficacité, on privilégie les comptes les plus stratégiques. Donc, les plus stratégiques, c'est ceux qui ont le plus de potentiel pour vous. Et le potentiel, c'est souvent du business, mais c'est aussi, ça va être les clients les plus simples à gérer, qui vont moins vous prendre de temps, qui vont être plus faciles à fidéliser, etc. Donc, c'est moins de quantité, mais plus de qualité. On approfondit la connaissance des cibles. Donc, j'ai dit tout à l'heure un peu en entonnoir, le marché, le compte, les contacts, afin de mieux les connaître, de déceler du coup plus facilement leurs enjeux, et qui bien sûr vont faire écho à des solutions que vous avez grâce à vos produits ou vos services. Et à partir de ces enjeux clés identifiés, on va élaborer des scénarios. On peut parler aussi de stratégie éditoriale, quand c'est vraiment plus sur le long terme, qui va être personnalisée pour aller conquérir vos comptes cibles. Et ensuite, bien sûr, l'idée, c'est de suivre ces résultats, comme je l'ai dit, avec vos KPI et de faire l'itération pour optimiser les performances. Pour terminer, un cas client. Donc, le cas client, donc anonymisé, notre client avait pour objectif d'ouvrir des comptes qu'on appelle coffre-fort. Les comptes coffre-fort, c'est des comptes très compliqués qui n'arrivent pas à percer tout simplement. Parce que c'est des comptes avec justement un peu des stratégies marketing traditionnelles et des approches commerciales, on va dire classiques. Ils n'arrivent pas à rentrer dedans, obtenir de rendez-vous. Et donc là, c'est un focus, il y avait une problématique sur des comptes de la grande consommation. Donc 25 comptes en France avaient été identifiés, donc c'était surtout tout l'Hexagone. Le mode opératoire, donc chaque compte était approché à partir de scénarios qui ont été personnalisés et qui ont été là pilotés opérationnellement par les commerciaux de notre client avec l'aide du marketing. Là, vous voyez toujours aussi un lien entre commerce marketing de bout en bout. Sachant que bah, là, c'est les commerciaux de notre client qui a géré, on va dire, la partie gestion de scénarios. Et dans certains cas, on nous demande même de sous-traiter cette partie-là. Vous voyez, c'était quand même plutôt des comptes, des grands comptes, hein, parce qu'on a Beinbev, qui n'est peut-être pas connu, c'est un nom de groupe, mais en fait, derrière se cache un brasseur américain qui a les marques Bud, Desperado, Corona, etc. Vous voyez, Fleury Michon, Pernod Ricard, Reiki, donc c'était plutôt vraiment des grands comptes en objectif de cible pour nos clients. Donc, ce qu'on a fait pour ce cas client, on a beaucoup travaillé la partie account intelligence, donc la partie connaissance.
Donc, on a réalisé déjà des personas. Ils en avaient, mais qui étaient très, très light. Donc, on a été venir muscler un peu vos personas qui étaient orientés, c'était plutôt des cibles commerciales et marketing et e-commerce. Donc, on a retravaillé des personas pour bien identifier c'était quoi les axes de communication qu'on pouvait avoir vis-à-vis de ces fonctions-là. On a fait une étude de marché spécifique au marketing. Là, l'idée, c'était de voir, en fait, on a un outil d'IA qui nous permet de faire des études quantitatives en s'appuyant sur le web, en crawlant le web pour aller voir les tendances de marché. Et là, la problématique, ils voulaient savoir, c'était quoi les enjeux, c'était il y a 2 ans. Quels étaient les enjeux des directions marketing dans un contexte, dans le contexte Covid. Donc, les enjeux des directions marketing en grande distribution. Donc, l'étude a permis de remonter, c'était le retour un peu au basique du marketing, retour au 4P. Il y avait aussi l'accélération de l'e-commerce, ce qu'ils appellent du D2C, donc c'est directement faire livrer des produits de grande consommation chez soi, au lieu d'aller, nos consommateurs finaux, aller acheter chez Leclerc ou Carrefour. Et donc, tous ces signaux-là qui sont venus remonter ont fait écho à des services que propose notre client. Voilà, c'était autant d'opportunités pour notre client de se dire, bah là, c'est vraiment des bons axes à aller adresser en axe de communication vis-à-vis de notre cible. Une fois que ça a été fait, donc on a eu déjà des bons signes d'axes de communication. On a identifié les cercles de décision auprès de l'ensemble de ces 25 ans. Donc, c'était identifier les responsables marketing, commerciaux et e-commerce sur nos grands comptes cibles. Après, de finaliser et co-construire ensemble des axes de communication. Donc, comme j'en ai un petit peu parlé, mais il y avait des axes notamment sur le e-commerce. Et je vais vous donner des détails un petit peu plus dans la slide d'après. Mais bien définir ensemble les axes de communication et à partir de cela, de créer des contenus et des supports. Donc, j'en ai mis quelques exemples ici. Donc là, j'ai surtout mis ce qu'on a pu faire dans une campagne offline qui a bien marché. Vous voyez à gauche, c'est une box. C'est une box qu'on a envoyée, alors pas à toutes les cibles, mais en gros, on va dire en général au top, la top target de chacun des comptes. Et dans lequel on avait mis plusieurs supports qui étaient adaptés. Donc, en général, il y avait toujours une lettre personnalisée. Donc, alors, ce qui était personnalisé, c'était surtout le nom et après le contenu, pardon, était personnalisé au niveau d'un persona, donc d'une fonction. Donc, ce n'était pas vraiment une lettre personnalisée dans son contenu à un individu, juste le nom, prénom. Et on a envoyé certains supports. Donc, là, vous voyez, vous avez une BUD. Donc, en fait, c'est un échantillon de BUD qu'on a créé parce que le client que l'on avait fait de l'échantillonnage, c'est-à-dire qu'il peut créer des échantillons. Et ce qu'on a fait, on a réfléchi ensemble lors d'un atelier d'idéation, d'envoyer au directeur commercial de Budweiser, donc c'était le directeur commercial Benelux, France Benelux, son propre échantillon de Bud, parce que lui, potentiellement, son objectif, c'est de se faire référencer au maximum. Et donc là, dans un objectif B2B, c'était de l'envoyer son propre échantillon pour qu'il se projette sur le fait de pouvoir proposer un échantillon de Bud à un nombre important de CHR, donc café, hôtel, restaurant. Et donc, on lui a envoyé ce propre échantillon-là. Donc, on a même acheté une vraie Bud, c'est une vraie Bud qu'il y avait dedans, avec un bulletin aussi de bon de commande d'une quantité de Bud, pour que notre directeur commercial se dise, bah, je peux faire l'échantillonnage et l'envoyer à mes cibles café, hôtel, restaurant. Donc, vraiment pour qu'il se projette. Autre exemple, en haut à droite, là donc ça, c'était des cibles commerciales pour les échantillons. Pour en droite, les cibles marketing, on a vu qu'ils avaient un enjeu aussi sur les prix. Et donc, notre client fait des bons de réduction. Donc, on a fabriqué là également des faux bons de réduction. Donc là, pour la responsable de marque Agendas, on a imprimé, enfin créé et imprimé un faux bon de réduction pour qu'elle aussi se projette sur la possibilité de faire une campagne bon de réduction, là plutôt orientée B2C. Donc voilà, tout ça a été issu de réflexions sur des supports vraiment personnalisé. Au-delà de ça, on a fait aussi des livres blancs qui venaient alimenter le discours. On a eu toute une stratégie, mais c'était pour vous montrer quelques exemples pour vraiment essayer d'être pertinent et différenciant. Parce qu'on a dit en ABM, il faut être différenciant et être personnalisé. Parce que ces contacts-là, le directeur commercial de Bun, il en reçoit des emails, il en reçoit des sollicitations, mais je ne pense pas qu'il reçoit beaucoup comme ça de son propre échantillon par la poste. Donc vraiment, là, l'idée, c'est d'avoir un impact fort. Et après, dans votre scénario qu'on voit après, c'est plus facile d'aller interloquer ce directeur commercial de Budweiser une fois que vous avez envoyé ce type de support, le relancer par email ou relancer par LinkedIn. Vous avez toute légitimité après avoir fait une étape aussi forte en temps 1. Donc là, je vous ai mis un exemple qui avait été fait auprès de ce client-là.
Donc là, vous voyez, il y a trois couleurs différentes, violet, orange et bleu, qui correspondent finalement à des axes de communication qui ont été définis en amont par rapport. Donc j'ai flouté les noms volontairement. Mais pour le premier, c'était un axe parce que commercial, il était plutôt intéressé par l'échantillon. Donc lui aussi, on a envoyé la box échantillon. Donc là, c'était peut-être d'ailleurs le directeur commercial de Bud. Et après, vous voyez, il y a un séquençage de relance avec de l'email et après de relance téléphonique. Donc là, c'est un exemple. Sur le deuxième, c'était une approche plutôt direct online avec d'autres relances. Et le troisième, donc là, bleu, c'est D2C, donc plutôt une orientation e-commerce pour lequel on lui a envoyé un livre blanc print. Extra aussi pour jouer un peu la provocation, mais se différencier de quelqu'un qui est très e-commerce, qui reçoit tout online, et ben on prend le contre-pied, on va plutôt faire une stratégie offline en lui envoyant un livre blanc en version print. Et par contre, c'est un acteur très présent sur LinkedIn, donc on va rebondir après, essayer de prendre la parole sur LinkedIn pour le relancer et essayer de décrocher un rendez-vous auprès de cette personne-là. En résultat de cette action, quelques KPI. Donc sur les 25 comptes, au final, on n'a fait que 22, parce qu'il y en a eu 3 qui ont été mis de côté par notre client pour des raisons internes de leur côté. Donc au final, on a fait des campagnes pour 22 comptes. On a identifié au total 125 contacts donc à travers les mappings de contacts. Donc en général, on arrive avec une liste plutôt un peu plus élargie, mais on l'a validée auprès de notre client qui est aussi spécialiste du métier. Donc là aussi, on est sur la co-construction. On a obtenu en termes d'invitation LinkedIn 56 acceptations. Alors, ce n'est pas un ratio 56 sur 125 parce que tous les contacts n'avaient pas forcément une approche. Donc, ça faisait plutôt un ratio, je crois, de 70 à 80% d'acceptation d'invitation LinkedIn, ce qui est un bon ratio. Et au final, le nombre de comptes ouverts, donc, comme je disais, c'était des comptes coffre-fort, pour ils n'arrivaient pas à ouvrir ces comptes-là. Donc, 7 comptes ont été ouverts sur les 22, donc ce qui fait un ratio de 32%, sachant que notre client avait on s'était mis d'accord au point de départ sur un objectif à 25%. Vous avez dit déjà, si un objectif de 25%, on assoit, on arrive à un nombre de rendez-vous qui atteint 25%, on sera déjà content. Donc déjà en ouverture de compte, on a obtenu 7 et en nombre de rendez-vous obtenus, alors on a 12 parce que parmi certains comptes, on a réussi à obtenir plusieurs rendez-vous. Donc, c'est pour ça que j'ai joué un petit peu avec les ratios, mais en tout cas, on a été au-delà de leurs espérances. Et alors, j'ai mis les plus. En fait, ça, c'est un peu le questionnaire satisfaction que j'ai fait faire auprès des équipes commerciales. Donc, c'est une méthode avancée avec une démarche claire et précise. Donc, c'était un peu du clé en main qu'on a fait. Donc, comme je vous l'ai dit, par contre, ça a été construit avec responsable marketing, responsable commercial. La richesse du dispositif, parce qu'on a créé du contenu. On avait même jusqu'à rédiger des messages, pré-rédiger des messages email LinkedIn avec des scénarios construits. Est proposé. Après, le coaching ABM Sales, c'est parce qu'on a fait du coaching en cours de scénario, notamment pour les aider sur un peu le barrière du téléphone, parce que des fois, il faut les relancer par téléphone, il y a des difficultés, et nous, on a un formateur qui nous aide, qui aide plutôt nos clients sur des problématiques, soit de social selling ou de relance téléphonique. Donc, il y a du coaching. Le focus actu aussi a été beaucoup apprécié, parce que pour donner de la valeur dans la prise de parole aussi, c'est bien connaître et trouver le bon moment pour aller prendre la parole. Donc, c'est le focus actuel. Et finalement, une action aussi qui était facilement duplicable pour ces commerciaux-là à travers d'autres comptes similaires à ces comptes qu'ils avaient en grande consommation. Et donc, finalement, ils ont été très contents. Ils ont généré beaucoup de chiffre d'affaires. On a eu la fin de l'histoire, Gaëtan. Alors, La difficulté, la fin de l'histoire, alors, en chiffre d'affaires, je n'ai pas un chiffre précis. Alors, je sais que oui, alors notamment sur un des comptes, ils ont eu le gros lot, entre guillemets, parce que c'est un compte qu'ils n'avaient jamais eu, où ils ont dû faire 4-5 ventes, avec des paniers moyens, à peu près à 80 000. Après, comme je disais tout à l'heure dans les KPI, c'est que nous, après, on peut intervenir, on aide sur des rendez-vous 2, rendez-vous 3 ou de l'influence. Mais après, on va dire, c'est un peu le job du commercial. Nous, on va un peu s'arrêter ici. Mmh. C'est vrai que nous, on demande toujours après. Et parfois, on pourrait s'approprier aussi, se jeter des fleurs en se disant, c'est grâce à nous, mais des fois aussi, c'est grâce aux commerciaux. Mais en tout cas, ça a été couronné de succès. Et ce client-là est toujours demandeur. Et là, l'objectif, c'est on travaille avec eux sur d'autres verticales. La grande consommation, si vous voulez, on a fait quelque chose d'un peu, on les accompagnait après à un peu industrialiser
cette stratégie-là. Donc, d'accord, pour eux, ils peuvent vraiment la déployer plus en interne. Donc, on continue à faire du coaching auprès d'eux, surtout auprès des commerciaux. On a réalisé vraiment beaucoup de contenu. Donc, ils s'appuient sur cette fameuse bibliothèque de contenu qu'on a créée pour eux. Et maintenant, on est plus en stratégie. Bah, on a fait la verticale grande conso. Maintenant, on est plus sur du luxe. Voilà, après, ils, changent, ils vont attaquer d'autres marchés avec la même méthode. Merci infiniment pour toute cette présentation. Et merci d'avoir tenu le timing. Désolée, j'ai fait la gardienne du temps, mais c'était important, je pense, pour ce cas pratique. Alors, il y a quelques questions et j'invite tous nos participants à en poser d'autres. Alors, j'en ai mis moi-même, hein, donc je vais abuser, je vais poser mes propres questions, mais… il y en a une qu'on a posée à peu près en même temps avec Léa. Alors, sur la phase d'identification des cibles, Léa se posait la question des critères de sélection. Donc là, tu en as partagé quelques-uns, mais ça peut être intéressant de peut-être justement d'échanger sur quels sont les critères que vous avez pu vous rencontrer chez vos clients qui vont… amener à se dire oui, ceux-là, ce sont les cibles importantes, celles sur lesquelles on va se concentrer. Donc ça, c'est la première question. Et après, moi, j'avais une autre question concernant la phase d'analyse. Mais donc déjà sur les critères, qu'est-ce qui amène vos clients à dire ou vous à leur conseiller, c'est sur ces clients-là qu'il faut se concentrer. Alors, y a différents cas de figure. On a le cas de figure où on a un client qui arrive avec une liste définie de comptes cibles. Alors, ils sont parfois plus ou moins sûrs de cette liste-là. Souvent, ils sont sûrs de leur cible. Et nous, on va juste un peu challenger. Et là, c'est plus un questionnaire. On leur dit bah, pourquoi ces cibles-là, pourquoi vous avez identifié ces comptes-là. Donc, on va un peu les challenger sur ces listes. Après, d'autres définissent. Et s'ils nous disent, bah oui, parce que, j'en rajoute, hein, mais on rêve d'avoir le top 40 ou ce genre de choses, on dit, bon, d'accord, on va essayer d'en creuser un petit peu plus loin pour essayer de légitimer cette prise de ce choix de liste de comptes. Et certains partent un peu de zéro. Donc, l'idée, nous, alors il y a plusieurs méthodes. Souvent, on part se dire de faire un peu du similaire à. Vous avez des comptes qui fonctionnent bien. Donc, s'ils fonctionnent bien, c'est qu'il n'y a pas de raison qu'ils fonctionnent et ne fonctionnent pas pour des comptes qui ressemblent. En plus, vous avez eu toute une méthodologie pour essayer de vendre auprès de ce compte-là. Donc, peut-être reprendre cette méthodologie-là, peut-être reprendre les contenus que vous avez utilisés. Donc, ça, après, les modifier un petit peu, mais vous allez gagner du temps et vous savez que potentiellement, ça marche avec cette typologie de cible. Donc là, c'est un des critères, donc faire du similaire à. Ensuite, on peut s'appuyer non plus sur des méthodologies où vous allez en fait vous appuyer soit sur vos top clients, soit sur vos top pas bons clients pour voir justement quelles sont les caractéristiques de vos top clients et de vos mauvais clients. Et donc là, vous allez tirer des en retirer des enseignements sur mes top clients, ben, potentiellement sur quelle zone géographique ils sont. Si je suis à l'international ou en France, quelle zone géographique ils sont, dans quel secteur d'activité. Je ne sais pas si je suis si je travaille sur le web, les CMS sont importants, ben, mes top clients, quel type de CMS ils ont, pour essayer d'avoir une fiche cartographiée des fonctionnalités importantes pour moi et de regarder les grandes tendances. Ces grandes tendances-là vont me dire, bah voilà une fiche type de mon client idéal. Donc, ça va m'aider à orienter pour savoir quel est mon top client idéal ou mon top client à éviter. Je peux avoir aussi mes clients, bah, les clients pour lesquels soit je les ai perdus ou je les perds en prospection. Ils étaient tous dans, je sais pas, dans la mode, par exemple. Donc, on va peut-être essayer d'arrêter de se focaliser sur la mode. Après, donc ça veut dire qu'il peut y avoir des critères extrêmement quantitatifs de l'ordre du chiffre d'affaires réalisé ou non réalisé ou du chiffre d'affaires que fait l'entreprise cible par rapport en imaginant qu'on cherche des grosses boîtes et inversement des choses qui peuvent être plus subjectives en termes de relationnel client ou de type de profil qu'on a en face, est-ce que ça peut jouer? Alors ça peut aider. Alors il y a le premier côté, on parle souvent de caractères firmographiques et technographiques. Les caractères firmographiques, ça va être plus justement la fiche d'identité d'une entreprise. Donc comme
comme on l'évoquait, un secteur d'activité, un chiffre d'affaires, un revenu moyen. Et ça, on va dire, c'est plus le classique. Après, il peut en avoir d'autres. J'ai mis quelques exemples. Et le technographique, ça va être plus ce qui est vraiment important d'un point de vue technique pour mon client. Alors, ça peut être, comme je vous ai dit, des CMS, mais ça peut être, on a eu un client, nous, dans le transport, c'est savoir quelle typologie de, comment dirais-je, de support logistique à ma cible pour du transport. Est-ce qu'elle a la capacité de pouvoir supporter mes offres en logistique? Est-ce que son rayon logistique n'est pas trop étroit? Donc, tout ça, on va le mesurer et voir si oui ou non, et on peut le pondérer et donner des notes aussi par rapport à mes critères pour arriver à se dire, bah, pour moi, le top critère, c'est le secteur d'activité, c'est le fait justement qu'ils aient un support logistique de plus de X mètres carrés, ce genre de choses. Vous allez pouvoir le pondérer aussi pour donner une note. Ouais, Donc, tout donc ça, en général, on va scorer. exactement. L'idée, et là, c'est pareil, c'est un peu du sur-mesure, c'est une co-construction. Nous, on arrive avec des méthodes, il y en a plusieurs. Là, je vais donner des exemples. Et on va demander justement à notre client, bah, c'est quoi vos critères les principaux? On les pondère, s'il y a une note de 1 à 10. Donc, tout ça, tous ces critères-là, vont vous donner une note finale qui va vous permettre de sortir des grandes tendances. Comme pour les top clients, comme je disais tout à l'heure, on va s'appuyer sur les top clients, mais là, c'est pareil, c'est bien de pondérer. Top client, ce n'est pas forcément celui qui a le meilleur, qui me donne le meilleur chiffre d'affaires. On va regarder celui aussi, bah, qui n'est pas time consuming en termes de relation client, celui qui a eu un closing rapide, etc., etc. Donc là aussi, on peut faire de la pondération. Ok. Une question aussi posée par Muriel Le Rouillé, également par moi dans un autre sens. En termes d'organisation et de rôle, qui fait quoi? Alors, moi, je pense que c'est intéressant que tu nous racontes qui fait quoi quand. Parce que, par exemple, moi, je me posais la question au niveau de l'analyse, de la recherche de données, de la recherche des enjeux de l'entreprise, des enjeux de son marché, de l'organigramme. Est-ce que c'est qui est-ce qui s'y colle? Parce que j'imagine qu'il y a de la recherche terrain et puis il y a de la recherche documentaire, internet, veille, salon et autres. Donc première question. Et puis après, quand on rentre dans la production, qui fait quoi entre les ventes et le marketing? Pour bah, déclencher des appels. Alors, on a vu tout à l'heure dans les scénarios qu'il y a des choses à faire par les commerciaux et d'autres par le marketing, mais comment se répartissent les rôles? Ouais, très bonne question. Alors là, en fait, je vous donne les grandes tendances parce que après, c'est pareil, ça dépend d'une structure à l'autre. Mais généralement, déjà, du départ à la fin, comme je l'ai dit, il faut des sales et du marketing. C'est juste que le niveau d'action va être, le pourcentage d'action va être plus ou moins fort selon les étapes. Si je reprends depuis le début, pour identifier les comptes, il est vrai que c'est plutôt la DG ou la direction commerciale qui donne le cap. C'est par rapport à une stratégie commerciale, c'est par rapport à une stratégie d'entreprise qu'ils vont arriver et de force de proposition. Donc là, le marketing peut avoir son mot à dire, mais c'est plutôt en lead la partie commerciale. Une fois qu'on a identifié, donc c'est cette première étape super importante, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est le point de départ, il ne faut pas se tromper parce que c'est les comptes sur lesquels on va passer du temps. Sur la partie plus qu'on appelle, nous, intelligence commerciale. Donc ça s'appelle intelligence commerciale, mais c'est le marketing plutôt qui travaille. Parce qu'on est plus là dans la partie études. Donc, faire des études de marché, s'il y en a à faire, hein, mais trouver les serres de décision, identifier des signaux d'affaires, les serres de décision, les données comportementales. Nous, on a chez Winborn une cellule dans mon équipe dédiée à ça, de business intelligence, où dans mon équipe, ils vont faire ça pour nos clients, ils vont identifier les serres de décision, trouver des coordonnées, Donc là, il faire des sous-traite. études. Donc là, cette fonction est sous-traitée à Winbound dans ce cas précis. Exactement. Après, ce qu'on demande toujours en amont, c'est qu'on va demander en tant qu'agence à notre client, donnez-moi déjà tout ce que vous avez. Parce que des fois, ils ont des mines d'informations. Un contrat avec des grands comptes, ils ont déjà plein de choses. Et, ah, on ne savait même pas que dans la BU, ils avaient telles infos. Donc, on va essayer d'agréger tout ça. Donc, soit on leur demande en contact s'ils peuvent faire un export CRM, ou c'est pas un export CRM, nous transmettre les contacts. Parce que ça nous permet aussi souvent de rafraîchir leur base contact, qui est parfois pas toujours à jour, d'aller compléter leur base aussi de contact. Sur la donnée, souvent aussi, ils ont des informations, ils ont des études, ils ont de la connaissance. Donc en général aussi, on fait un échange sur bah, donnez-moi le niveau de connaissance que vous avez,
Et parfois, ils ont une super connaissance, on n'a même plus rien à ajouter. Donc, c'est suffisant. Et parfois, l'idée, c'est de voir en fait à chaque étape de l'ABM, là où on peut apporter de la valeur. Et donc là, c'est plutôt le marketing qui va apporter de la valeur par la connaissance qu'il va apporter. Donc, c'est sur la partie intelligence. Ensuite, sur l'étape plus réflexion sur les axes de communication, là, c'est vraiment, j'ai envie de dire, on est vraiment sur un atelier collaboratif où tout le monde a sa légitimité de prise de parole. Parce que le marketing va avoir une approche différente du sales et les deux peuvent être super pertinentes. En général, on fait un atelier qui est animé par nous et on va essayer, nous, à partir de la connaissance, d'arriver déjà avec des prémices d'axes de communication pour lancer en effet un peu le débat, parce que nous, on a agrégé toute la communication, mais après, on n'est pas les experts du métier. Et après, ça doit être confronté, notre méthodologie, par des experts et souvent, ça ouvre la porte et les idées émergent. Et là, dans cette partie axe de communication, c'est vraiment les idées du marketing qui est une fibre différente du commercial qui vont s'alimenter. Et c'est vrai que ce mélange va pouvoir, en général, donner un super cocktail et trouver des bons axes de communication. Donc, sur ces réflexions-là, on est vraiment réponse collégiale. Et ensuite, sur la partie scénario, en général, c'est plutôt fait par le marketing, mais validé par les sales. Parce que là, le marketing, on va voir un peu, parce que des fois, en plus, on va s'appuyer sur un outil marketing. Et c'est lui qui va combiner un petit peu toutes les connaissances à partir des supports. C'est lui qui va faire le scénario. Ça me fait penser que j'ai oublié l'étape. Quand on parle d'outils marketing, alors on parle de quoi ? D'un outil de marketing automation ? On parle de quoi ? Exactement. Alors, dans du one-to-one, on peut faire à la main, entre guillemets, quand on est vraiment, on peut utiliser Outlook, Gmail ou… ça peut être fait à la main ou ça peut être en effet tout à fait un outil de type automation, des HubSpot, des Marketo, qui peuvent tout à fait faire le travail de séquençage. Et du Eloqua, nous en général, on s'adapte, on demande quel outil vous avez. Et donc, on voit comment on peut bien travailler avec cet outil-là. Des fois, on peut être force de proposition aussi pour utiliser un autre outil. Mais cette partie-là, du coup, est plus gérée par la partie marketing. Et j'ai sauté une étape en amont. C'est vrai qu'il y a production de contenu. Et la production de contenu est gérée plutôt aussi par la partie marketing. Le brief, en général, est fait avec les sales, mais c'est le marketing plutôt qui va gérer ça. Et nous, on travaille avec… on a toute une cellule de rédacteurs spécialisés en métier qui peuvent justement aider si nos clients n'ont pas la bande passante ou n'ont pas la plume pour pouvoir rédiger ces contenus. Créer des box, etc., ce genre de contenu, mais c'est plutôt le marketing qui est en charge. Et ça veut dire que typiquement, pour avoir l'exemple du des échantillons qu'on a vus tout à l'heure, donc là, on a une vraie production, mais on est sur des quantités extrêmement faibles, voire de l'exemplaire unique, donc un coût élevé, j'allais dire à la hauteur de ce que le client peut permettre de gagner. Mais ça, c'est plutôt le client ou plutôt vous, ça dépend des cas. Alors ça, en général, l'idée, en fait, elle est construite, donc là, ça venait de notre part, et après, elle est gérée plutôt par nous. Mais après, là, c'est pareil, si on dit, si vous avez des moyens en interne de pouvoir réaliser, on travaille avec un façonneur qui va faire tout ce qui est partie offline et un imprimeur. On le fait, mais après, si notre client nous dit on a un imprimeur, on travaille avec des grands comptes, certains grands comptes disent on a toutes les ressources en interne, ils peuvent le faire. On est vraiment dans l'adaptabilité, on va essayer de voir là on a la valeur à apporter. Et si donc nos clients n'ont pas les moyens de faire ça, les moyens, le temps, on va pouvoir faire ces parties-là. D'accord. Pour la stratégie ABM, on est capable nous de tout faire. Après, ça a à voir selon le temps, le budget et les moyens du client, on s'adapte. Et alors, typiquement, par rapport au mot temps et au mot budget que tu viens de prononcer, ça lance une perche par rapport à une question que pose Léa et que je me posais aussi. Quel est le délai pour tout ce processus, globalement, en moyenne, entre le moment où le client décide d'initier une campagne ABM et, mettons, les premières actions? Sachant que tu disais que globalement, vous proposez des campagnes longues de 6 à 12 mois, ça prend combien de temps tout ça? Alors, si c'est vrai qu'idéalement, alors sur des gros budgets, on essaye plutôt d'être sur du 12 mois parce que moi, j'évite de faire du one shot parce que la stratégie ABM, c'est comme je disais tout à l'heure, on peut le mettre à deux niveaux différents. C'est comme quand les commerciaux, c'était 45% des commerciaux, une étude dit ça, qu'ils s'arrêtent après l'envoi d'un seul email. C'est pareil pour l'ABM. Faire juste une campagne, là, on voit que pour notre cas client,
on a été au-delà des objectifs, mais nous, ce qu'on essaie de dire, c'est bah, on a obtenu, je ne sais plus, 30 et quelques pourcents pour 25%, mais 32%. 32%, voilà, merci. 32%, et c'était 25%, et pourquoi pas aller en chercher 50%. On a fait tout ce travail-là, c'est plus facile après de capitaliser, il suffit de mettre en place de la veille, détecter des signaux, on a eu un premier impact fort, et si la personne n'a pas décroché son téléphone ou n'a pas répondu, on se rend compte qu'à chaque fois, il a quand même vu, il n'a pas répondu, mais pour x, y raison, il a peut-être une bonne raison. Juste peut-être attendre un petit peu de temps pour pouvoir relancer. Donc, c'est bien de pouvoir penser à déjà un temps 2, temps 3. D'accord, mais pour le coup, entre le moment où on enclenche le projet et le moment où on a fini toutes les étapes, la 1, la 2, la 3, et on a lancé les premières campagnes, il se passe combien de temps ? Alors, il se passe combien de temps ? En général, ça peut mettre 3 mois. Alors, ce qui est un facteur souvent décisif, ça va être le facteur construction de contenu. Là, c'est pareil, on peut avoir des clients avec déjà beaucoup de contenu. On n'a pas besoin de faire de l'hyper personnalisé comme dans l'exemple que je vous ai montré. Ils peuvent déjà avoir des vidéos, des podcasts, des livres blancs. On va juste peut-être essayer de les fine-tuner. On les retravaille un petit peu pour les adapter, par exemple, à un secteur d'activité. On les adapte à une personne. Donc, ce temps-là va être raccourci. Et c'est souvent ce temps-là qui prend du temps. Parce que l'amont, en fait, tout ce qui est définir les comptes, l'intelligence commerciale, ça peut aller assez vite. C'est plus, et après il y a les axes de communication, et après on se dit, bah, les supports, on en a ou on n'en a pas. Donc là, c'est pour ça qu'on fait un inventaire, et l'inventaire, des fois, bah, il est top. Donc finalement, bah, on va gagner vachement de temps, parce que le scénario va pouvoir être construit rapidement. Si on voit que bah, on est sur du one-to-one, il y a beaucoup de choses à créer, là, ça peut prendre, bah, là, je vois typiquement là, ce que tu disais, par rapport à l'ultra-personnalisation qu'on a fait sur Bud, Rekit, etc. On a mis à peu près un mois et demi, rien que pour la réflexion, la conception de ce genre de choses. Donc, c'est vrai que ces temps-là peuvent être longs. Donc en moyenne, on est sur du 3 mois avant de lancer une campagne. Oui, puis on a l'exemple avec une campagne qui va démarrer la semaine prochaine. On est même sur du one too many. Le client avait beaucoup, beaucoup de contenu. Ils ont toutes données, les emails, les téléphones. Ils ont beaucoup de données en possession dans leur CRM. Je crois qu'on était opérationnel en un mois et demi, 2 mois. Puis en plus, on a une fenêtre de tir réduite parce qu'il faut qu'ils peuvent prendre la parole sur un sujet très spécifique qu'à un moment donné dans l'année. Donc là, on a pu être opérationnel en un mois et demi, 2 mois. Par contre, voilà, y a 4 personnes chez eux qui sont à fond sur le projet, plus nos équipes en interne. Donc ça dépend aussi de la bande passante. Les moyens ont été mis, comme tu disais, le temps disponible chez le client et les ressources disponibles chez le client, ça va être la variable d'ajustement pour vous, qui va vous définir si oui ou non ils ont plus ou moins besoin de vous et le temps que tout ça va prendre. Par rapport à tout ça et à tout ce qu'il y a à faire, est-ce que c'est possible quand on se lance là-dedans de se dire le budget minimum ça va être tant, est-ce que le budget va être plus ou moins affecté par rapport au nombre de cibles ou au fait de se dire on aura une campagne one to one uniquement ou une campagne one to many, quel genre de fourchette de budget vous amenez pour au moins la réflexion à défaut de produire le contenu, puisque comme on disait, le contenu c'est variable et pas toujours vous qui vous en chargez. Tu veux que je réponde, Gaëtan ? Vas-y. Du coup, ça va dépendre de l'aspect one-to-one, one-to-many, one-to-few. Sur du one-to-one, on a l'habitude d'être dans des fourchettes de 5 à 10 000 euros par compte. Après, il y a des clients qui sont capables de mettre beaucoup plus sur la table pour toucher un seul client, mais on parle sur des contrats. On a des clients où ils n'ont qu'un seul compte à toucher. Par contre, il y a des contrats derrière qui peuvent représenter peut-être des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et en one-to-few, on est plutôt sur des fourchettes de 20-30 000 euros sur des dispositifs complets. Là, pour vous donner l'exemple dont je parlais tout à l'heure, sur le one-to-many, on est en train de monter à la fois une campagne one-to-many pour un marché et une campagne one-to-few pour une autre verticale. Et on est autour de 30 000 euros, sachant qu'ils s'occupent de leur côté de collecter la data avec les coordonnées et qu'ils ont une grosse capacité de production de contenu en interne. Oui, donc ça veut dire qu'il vous les accompagnez surtout sur le conseil, sur la stratégie, la gestion de projet, mais les mains dans le cambouis, c'est chez eux que ça se passe. Fait moitié-moitié sur l'organisation, en fait. Nous, on les aide à se structurer et organiser parce que sans nous, ils n'y seraient jamais allés. On les aide aussi à construire les scénarios de conquête
Et après, on se divise les tâches sur la partie configuration des scénarios, enrichissement des bases de données. Par exemple, sur ce client-là, ils pensaient avoir leur persona. Et sur les premiers ateliers, on s'est rendu compte qu'il manquait pas mal d'éléments sur tout ce qui est parcours d'achat. Donc, on vient compléter. Parfois, nos clients ont une forte connaissance de leur marché. Mais nous, on est là aussi pour venir compléter les petits trous dans la raquette qu'on peut identifier. Mais que, que vous ne savez pas forcément au départ, cela dit. Si non. Bah, ouais. Pas toujours, parce que le client peut nous dire non, les personas, bah, j'en ai pas besoin, j'en ai. Et puis, on se rend compte qu'au bout de quelques semaines, qu'en fait, il manque pas mal d'éléments. C'est pour ça que c'est bien de faire en amont. On appelle un atelier découverte. Donc, c'est un peu un atelier avant-vente où, justement, là, on arrive et on présente, si ça n'a pas été encore fait en amont, la stratégie vraiment complète d'ABM qu'on peut faire. Et là, après, on les fait parler, on les questionne justement pour avoir un maximum de visibilité sur ce qu'ils ont et comme je disais tout à l'heure, sur là où on peut apporter de la valeur. Mmh. Et pour justement faire une proposition plus adaptée possible. Ça n'empêche que, comme le dit Pierre-Anthony, en cours de campagne, en cours de prestation, on peut voir qu'il y a un trou dans la raquette, mais on a une certaine flexibilité. Comme on met, par exemple, souvent, quand on vend sur du one-to-one ou one-to-few, on a souvent un lot, on prévoit de création de contenu avec une estimation, et là-dessus, on peut tout à fait renier dessus. C'est-à-dire, on avait prévu un lot, par exemple, pour création de contenu de 10 000 euros. Ben, ces 10 000 euros-là, si finalement, on n'en a pas besoin, il va peut-être réutiliser pour la création d'un persona. Ensuite, l'idée, on est assez flexible et même très flexible sur cette partie-là. Moi, mon objectif, c'est de bien fournir le client, qu'il soit content et que je sois content aussi. Donc, moi, ça ne me dérange pas. On a un budget global. Après, on le fait en bonne intelligence pour qu'il remplisse bien les objectifs. Donc, si on a oublié deux, trois choses au départ, ça peut arriver. Et bon, on le rectifie ensemble. On est vraiment sur une co-construction. Ils le font de leur côté, sales marketing, on leur demande. Mais nous aussi, on est ensemble, on est tous, enfin, on a le même objectif. Oui. Client et nous. Et pour le coup, ce que tu disais, c'est qu'une fois que la méthodo est appliquée, pratiquée et adoptée, elle est duplicable sur de nouveaux marchés. Alors, j'imagine que ce qu'il faut recommencer, c'est quand même la partie ciblage et l'analyse, l'intelligence. Mais tu parlais de ton client tout à l'heure. Une fois qu'il a eu fait la grande distrib, il a pris la même méthodo et il l'a dupliquée sur le luxe, c'est ça ? Alors, la méthode, on va dire, peut rester la même. Ensuite, sur les contenus, ils vont être différents. Sur le nuque, il n'aura pas forcément aussi les mêmes problématiques. Il a peut-être moins d'enjeux direct to consumer, donc la partie commerce. L'échantillonnage pourra l'intéresser. Souvent, les supports peuvent changer également, parce que je ne m'adresse pas de la même façon à Danone qu'à Chanel. Donc, il y a des choses qui peuvent être réexploitées, en effet. Je peux te donner un autre exemple. Là où, justement, c'était intéressant, c'est... il y avait une campagne de fête, alors c'est plus du one to few, où on avait un e-book généraliste qui avait été fait dans une stratégie d'inbound marketing avant que j'intervienne en ABM et qui était plutôt généraliste. Donc c'était dans le transport, du transport d'exception, donc en logistique, un client qui fait du transport en hélicoptère, etc., transport d'exception. Et en fait, ils ont ciblé différentes verticales. Et ce que j'ai fait, tout simplement, c'est qu'on a repris l'e-book qui était généraliste. Et plutôt que de le faire en e-book, je l'ai mis en version print aussi, pour que ce soit un peu plus quali, avec une impression en premium. Et en effet, je l'ai, tu vois, sectorisé et je l'ai mis en mise en page. Il y avait secteur des voitures de luxe, des ambassades et un troisième dont j'ai oublié. Mais il y avait trois secteurs. Et donc, il y a juste changé un petit peu le wording et changé la mise en page. Et comme ça, on a adapté. Et là, on a vraiment capitalisé sur une première opération. Donc idéalement, on n'a pas besoin de refaire tout son contenu, notamment parce que le fond est pertinent, mais on va jouer sur la forme, le format, l'iconographie, pour pouvoir dupliquer les contenus. En revanche, effectivement, le ciblage et l'intelligence, la recherche et l'analyse seront forcément à refaire si on s'attaque à un marché très différent. Ok. Merci, j'espère que ça répondait à la question de Léa. On a atteint le 13h45, mais j'ai quand même une dernière question, Gaëtan. Oui. Va falloir si je peux peut-être compléter la question de Léa sur si c'est applicable à de nouveaux marchés, dans le sens où là, par exemple, je travaille sur une proposition pour un client qu'on accompagne déjà en inbound. Il vient de sortir un nouveau produit qu'il aimerait tester sur des nouveaux marchés, et c'est un produit, donc il a vendu un premier prototype à un client. On est sur des paniers moyens de 200 000 euros. Et là, il nous demande si on peut aller tester sur du one-to-one, vu qu'il a déjà gagné un client avec ce nouveau produit.
d'aller tester 2-3 comptes pour voir si le marché répond. Et si le marché répond, eh ben lui va pouvoir augmenter et industrialiser cette partie-là en mettant en place du one-to-few. L'idée, c'est de plutôt commencer en faisant du POC. J'ai aujourd'hui mon nouveau produit, il marche chez quelqu'un, donc je peux faire du similaire A sur 2 ou 3 autres comptes. Et si ces 2-3 autres comptes répondent de manière positive, là, on peut aller intensifier et augmenter. D'accord. Sachant qu'on est sur des enjeux importants. Ce qui est quand même aussi beaucoup une action commerciale. Merci beaucoup. Alors, avant que vous tous ne partiez, je vais redemander à Malik, j'espère qu'il n'est pas loin, de mettre en ligne le lien vers le questionnaire de satisfaction. Et bah, Muriel Génin, si tu es en ligne, éventuellement, tu peux passer un coup de fil ou un petit mail à Malik qui n'est pas en ligne pour lui redemander ça. Et donc, ma dernière question, Gaëtan, et ou Pierre-Anthony, je ne sais pas, est-ce que vous pourriez nous partager un top et un flop dans des projets que vous avez pu faire ? Alors, un top, bah, j'allais dire, on vient d'en voir un, même deux, donc je pense que ce sujet-là est traité. Par contre, un flop, un jour où une action n'a pas marché, c'était pourquoi et qu'est-ce que ça vous dit comme conclusion à en tirer pour de futures actions? J'en ai en tête où il a fallu, en gros, le flop a été qu'il a fallu rétro-pédaler, on a perdu du temps, où on a eu un très grand compte qui ciblait lui aussi des autres grands comptes et qui était un peu persuadé de ses cibles. Et donc, on l'a pas assez, je pense, challengé. Et on s'est rendu compte après dans les axes de communication qu'on n'avait pas forcément de valeur à ajouter dans leur offre de service et qu'il y avait ce qu'on appelle les pain points de la cible finale. Ils en avaient des pain points, mais on n'avait quasiment rien à leur apporter. Donc, on pouvait faire une stratégie, mais dans le dialogue, qu'est-ce qu'on apporte de plus que le concurrent? Même si c'est personnalisé, il va nous remarquer, mais la promesse derrière n'est pas pertinente. Donc, on a dû rétro-pédaler et bien redéfinir. Et on a fait un atelier ICP vraiment pour rentrer dans le détail et travailler ensemble les bonnes cibles. C'est pour ça aussi que j'ai pas mal insisté en amont. Donc là-dessus, c'est vrai que ça a été un peu une difficulté qu'on a eue. Donc on a perdu du temps et j'aurais dû peut-être à ce moment-là plus pousser. C'est pour ça que maintenant j'insiste vraiment sur ce côté en amont, de bien travailler, bien identifier pour bien partir sur les bons comptes. Et peut-être se poser des questions difficiles et remettre en cause ses certitudes, c'est ça? Voilà. Donc je pense que ce sera peut-être la conclusion. Visiblement, il n'y a pas d'autres questions. Donc, on va pouvoir s'arrêter là. Merci Léa pour les remerciements. Vous avez tous et toutes dans le chat le questionnaire que Corentin Chevalier et Malik viennent de mettre en ligne. Donc, merci infiniment de cliquer sur le lien, de nous donner votre avis. Ce sera utile pour l'équipe à des thèmes Rhône-Alpes, également surtout pour Pierre-Anthony et Gaëtan, qui a beaucoup parlé, qui a le droit maintenant d'aller boire un coup parce que ça doit faire soif. C'était très instructif. Merci beaucoup. Et puis, et bien, au plaisir de se revoir en vrai ou en ligne. Pour les Lyonnais, la prochaine événement, ce sera en juin, une vraie conférence en vrai de vrai sur le thème de l'animation des communautés. Au mois de septembre, en webinaire, on parlera de l'éco-conception. Au mois d'octobre, en conférence présentielle, on parlera de la marque employeur et le reste du programme est à suivre sur notre page LinkedIn. Merci à tous, merci infiniment Gaëtan, merci Pierre-Anthony et contente d'avoir réussi à le faire parce que ça faisait plusieurs mois qu'on s'en parlait. Oui, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, merci à tous, à bientôt. Bonne fin de journée, bonne semaine, au revoir. Au revoir tout le monde.